Je sortais d'un goumain-goumain, ce qui avait occasionné une coagulation chez moi. Ainsi, depuis plusieurs mois, je n'avais pas géré de go. Je ne faisais que frapper mon Aoko au point où le savon pouvait même manquer à Abobo. Il me fallait donc trouver des techniques pour aller faire mon chat noir sur Adjoa, notre servante. Adjoa pouvait ressembler à ça. Mais côté forme, rondeur, c'était le nec plus ultra. La preuve, voici la dernière photo d'elle lorsque j'avais tenté de la... Bref, hélas, ma grand-mère était en pleine prière d'intercession pour chasser les démons. Pour ce jour, il me faut donc passer à l'acte. Adjoa a sa chambre qui fait face à celle de mon père. Oui, c'est lui mon père. On a la même tête, n'est-ce pas? Enfin, si j'enlève le chapeau. Ce jour-là, je rentrais dans sa chambre, celle de Adjoa. J'avais mis mes mains en quarantaine pour ne pas laisser de traces. Je me voyais déjà sur elle, la caressant. Au moment où je m'empressais de passer à l'acte, oui, vous avez bien vu, mon père était là, sur Adjoa. Il m'avait devancé. Sur le coup, je me voyais marchant sur le troisième pont après avoir fait un tour sur l'échangeur de la 2. Presque accroupi, j'ai eu à l'idée les arrangements de Serge Beno, dont mon père était un grand fan, plus les déhanchés de la petite Zota qui mite tout le temps Adjoa. Désolé, j'étais juste venu ici dans l'intention de vous montrer mes nouveaux pas de danse. Regardez, gauche, droite, gauche, droite. Je me mis donc à faire des mouvements avec mes pieds. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est ainsi qu'est né le Okenenkwen.